vraiment énormément. Heureux. Salut YouTube. Ouais, non, mais alors, c'est quoi, regarde. Alors, attends, mon tweet. Oui, mon tweet. Non, ça, c'est pas Twitter, ça. Alors. Hop. Allez, signalez le tweet. Il est suspect ou publie du spam. Le compte gain. Utilise la fonction répondre pour spammer. Voilà. Ça part sur un blocage. Voilà, c'est mieux. Non, c'est pas la fête du slip, hein, mon Twitter. Pause bordel. On voit le tweet. Peut-être acheter un rapport. Non, 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 pas ce soir, comme je vous dis, ce soir. Et ça fonctionne. On va pas trop tenter le diable. Demain. Demain, peut-être. Putain, c'est le moment de voir ma sale tête de félin. Et on se calme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Wonder Woman à regarder, là. Belle purge, à mon avis. Me spoilez pas, ok? Me spoilez pas cette merde. Oui, je suis sûr que ça va être de la merde. Bon, d'ailleurs, faut que je regarde Justice League, d'ailleurs. Bref, on va finir avec X-Men, après on verra. Le tweet a été ban et supprimé, donc d'ailleurs je sais même plus qui c'était. En vrai. À mon avis, tu tapes Skiver, je pense. J'étais pas évidemment à le signaler. Le bâtard. je rigole. Non, même Skiver ça fonctionne. Bref, c'est de la merde, c'est un truc d'e-sport, c'est un con. J'aime pas trop quand... Ah si, voilà. Yeah. Je sais plus qui c'était. J'aime pas trop quand on fait sa pub comme ça, ni avec des messages préconçus, ça me casse les... Casse tes croquettes. Justice League est pas ouf. Ah, super. Pire que Wonder Woman. D'ailleurs, vu que c'est fait au courant, mais Hero est pas très au courant, qu'on a parlé d'X-Men la dernière fois, où j'ai regardé X-Men 2, X-Men 3, et X-Men Idea of the Future Past. Quel nom à la con. Non, je rigole. Et voilà. Et du coup... Ça passe, la musique est cool. Juste parce que c'est les années 80, quoi. Enfin, le 84, hein, pas l'autre. Hein. L'autre, j'ai pas pu me le voir en peinture, hein. C'était une purge. Du coup, ouais, rapide résumé pour Hero. X-Men 2, j'ai bien aimé. X-Men 3, ça m'a cassé les burnes. Et Day of Future Past. Ou Day of Future Past. Bref, on s'en fout. Très très bien. Très très bien. Donc voilà. Et vraiment, j'ai fini le film littéralement, j'étais sur mon téléphone en mode alors, jeu X-Men Xbox 360. Ah, j'avais trop envie. Bon, du coup, on va récupérer ça. Ah, la tenue, c'est vrai, la tenue. Eh, arrête de bouger. Eh, oh, Daft Punk là. Ah ouais? Bah, comme je dis à Saïf, moi je suis vraiment. En fait, moi vous avez l'avis d'un néophyte, moi je regarde en mode bon bah je suis peut-être bon public parce que vu que je suis pas trop dans les comics X-Men ni rien, tu vois, je suis censé dire ok, alors qu'il y a des énormités, tu vois, mais même moi j'ai fait non, non en fait. Alors je connais pas hein, les arcs et tout de base, mais je me suis dit non. Putain, c'est stylé de ouf. Ça bouge ou pas, putain? Ah, je peux pas, arrête de tourner aussi. Les refuges du Fist traversent une période difficile depuis qu'on sait que leur fondateur, à ton avis, était Mister Négatif, le poseur de bombes. Mais je crois en ces saints, car je connaissais May Parker, une femme extraordinaire qui a littéralement donné. Déjà, à partir du moment où il y a des gens qui l'ont vu, c'est qu'on peut alors voir. Alors imaginez mon désarroi quand j'ai. Hein, attends. Débarre. Change d'expression. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, attends, mais c'est vrai ça. Allez. What? Mais non, mais. Stop! Ah ouais! À la limite, les reflets sont casse-couilles en fait. J'aime bien. Hop, on y va,
pas ma préférée, mais. Hein? C'est pas ma préférée, bon. Et voilà le dernier. Ah ouais? Putain, je savais même pas les détails. Juste moi, j'ai jugé le film, j'ai fait putain. Alors oui, niveau effets spéciaux, ok, d'accord, trop bien, nan, c'est normal, hein, on évolue. Mais limite trop, alors que tu vois, le dernier que j'ai vu, il y a quasi pas, enfin si, il y en a des effets spéciaux. Mais c'est pas trop en fait, c'est juste là pour, bah, pour, voilà, pour justifier, hein, on fait des trucs, voilà. Alors que l'autre, j'ai l'impression juste qu'on a mis un max d'effets dans tous les sens. Ouais, je sais pas. Bref. Du coup, qu'est-ce que... Oh, tu sais quoi, vous m'avez saoulé en fait. J'ai même pas envie. Voilà. Mais putain, mais stop. Je me casse, laissez-moi tranquille. Je peux pas laisser cette grue se renverser mon arrière. Allez. L'heure de jouer les héros. On voit ça où, la fille? Attends, j'ai l'impression que le stream rame. Vous êtes bien à 60 FPS, hein? Attends, vous êtes bien fluide, quoi. Chaque fois, je sais, je suis chiant à demander ça, mais quand je vois mon retour, on dirait que c'est du 24 FPS, quoi. Vous comprenez? Je vais m'assurer de la qualité de ce stream. Ah, ça me rappelle un truc, disons. Ça m'a cassé mon délire. Mmh. Ah ouais, si, bien vu. Bien vu. Elle est couverte de glace. Voyons ce qu'en dit l'ouvrier. Spider-Man, vous êtes là. Bien vu. Votre grue a l'air... fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire? Fatigué, c'est le mot. Le moteur a lâché, et l'accumulation de glace l'a fait pencher. Ça craint. On est d'accord. J'ai dégagé la zone en dessous, mais elle risque toujours de tomber dans la rue. Faudrait retirer la glace avant que ça arrive. Je m'en occupe. Mmh. Hey Spider-Man, vous voyez que c'est plus grand quand même, non? Pardon? Pardon? C'est plutôt agréable en fait. J'ai presque fini d'enlever la glace. Mal à briser la glace, mais là... Arrête avec tes vannes, putain. J'ai l'impression de regarder Batman... Batman Forever. Bon, j'aurais aimé savoir lequel. Reste plus qu'à trouver un endroit d'où stabiliser la grue. Bon, alors, je dois juste l'éloigner de la rue. Et l'enfer. Arrête. Mais... C'est bien, oui. Ah putain! Doucement peut-être, non? Oh, non! T'es con ou quoi? Bon, personne n'est blessé. Et si ma mémoire est bonne, il y a un train qui va bientôt passer. Je dois faire vite. Le train s'arrête pas. La voie est libre. Je dois filer. Qu'est-ce que tu as l'air de la science, non? Eh ben. Donc toi, t'as fait un marathon X-Men. Ah. Bien vu. Bon, allez. J'arrête avec les jeux de mots pourris. Bon, il est où ton lien? Pour l'instant, sur Instagram, j'ai rien. Et sur Discord, non plus. Tac.
Qu'est-ce qu'on pourrait se faire, dis donc là? Mais tenez, on va pas trop y toucher. Est-ce qu'on a les... Eh mais non, faut pas les acheter, blablabla. Mais je crois que... Ah ouais, mais j'ai tout en fait. Point de compétence 0, bah merci. Ok, bon. What? Ah, j'attends pas. Il reste quand même deux. On dirait que j'ai reçu une nouvelle requête d'araignée sympa du quartier. Ah. Phénomène de plus en plus important. Je vais passer dans les... Mais c'est pas passé ici, putain. Putain, je sais pas ce qu'il a, mais... Hein ? Quoi ? Salut les Danny fans. Je fais rien. Littéralement. Comme l'attaque du CD. J'avance juste avec le stick. Spider-Man a protégé les habitants, genre, je suis au bord de la map. Je suis avec Gankili, un résident de Harlem qui a aidé Spider-Man à sauver le quartier. Trop bizarre. Ça fait du baume au cœur d'aider les autres, d'autant plus en découvrant que Wilson Fisk était derrière tout ça. Mettre fin à ces opérations, c'est un au fait de ma carrière. Et celle de... Il m'a influencé. Mais c'est trop bizarre. Alors, comment avez-vous découvert... Ici, il fait que ça tout seul. Je fais rien. Gens du quartier, il fait des trucs bizarres. Ils se serraient tous les coudes. Et ça nous a nous-mêmes permis de les aider. Théo, Caleb, Camilla, Ellie, Steph, Gloria, si vous m'entendez, merci à vous. J'ai parlé avec l'agent de libération de Wilson Fisk qui m'a confirmé qu'il était sous stricte surveillance et que sa peine allait sûrement être rallongée. À Gankili et aux habitants de Harlem, merci de veiller au grain. D'ici la prochaine émission, pensez à changer de brosse à dents tous les 3 mois. A plus. Il passe des choses très bizarres. La Highline était loin d'être aussi sexy à l'époque où on a caché la capsule dans le mur. Le temps va passer. Cool. Très bien. Ok. On fera une capsule ici. Mais j'aime bien faire durer le plaisir. J'aimerais bien que ça se déverrouille ici, là. Oh. Salut Kenzo Ninjag, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à ce bouson. Oui. Du coup, racontez-moi un peu votre 31, pour ceux qui veulent. Mais, enfin, genre, je m'intéresse un peu là. Pardon. Tranquille en ce moment. Merci beaucoup pour le follow, Kenzo. Merci beaucoup, bienvenue. Mon 4K, comme ta vidéo de lift-off. Mon 4K qui perd. Je peux pas te laisser y retourner. Les Skrieger et Tinkerer s'entretuent. Tu reprendras du service quand les choses se seront passées. Et quoi? Tu veux que je me planque? Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écoutes rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger? Je t'ai pas balancé. Ouais. Donc c'est la première fois que c'est à l'air de follow faire rire quelqu'un. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille? Et t'as rien trouvé de mieux à faire? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé. Pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges? Bon sang, Miles. Je veux pas te perdre aussi. Et moi, je veux pas laisser des gens mourir juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Non, de merde.
J'ai beaucoup utilisé le gamer. Je vous follow. Ah, attendez. Tout ça en francophone, ça. Attends. Son camouflage. Je dois le faire crier. C'est pas du tout moi le problème, c'est toi. C'est toi qui a peur. Bien joué. Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis obligé de me battre pour cette ville? Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre que tu pourras pas le faire si t'es mort? Oh, c'était beau. Ah bah non, t'étais... Hey, techniquement, t'étais pas là, gros. Okay. Si mon père nous voyait maintenant... Il aurait compris qu'il essayait de te protéger. Pas contrer tous mes trucs. Eh oh. Eh, c'est plus un camouflage ce niveau-là, c'est la téléportation. Tu comprends pas, je suis le seul à vouloir te sauver. Et moi je veux sauver tous les autres. Ça s'appelle le karma, le fils. Un petit côté chat hein, quand même lui. J'ai la plus mauvaise tenue pour faire ce genre de combat. J'ai changé de tenue en pleine partie, enfin genre là, d'un coup là. Non, je pense pas. Tu veux que ta mère se retrouve toute seule? J'empêcherai ça. Ah, si on peut, je rigole. On peut. C'est le grand avec moi. Ouais. T'es le seul à stepper à côté de moi donc. Il est beaucoup trop rapide à faire ça par contre. C'est beau. Je sais que j'ai merdé. Je t'ai déçu. Mais on est une famille. Une famille? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre? Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça se termine comme ça. Qu'on devienne... ennemi, toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi.
Je dois être meilleur que ça. Oula, petit bug. Ganki, mon oncle vient de me kidnapper. Il m'a enfermé. Hein ? Ça va ? T'as rien ? J'ai dû me battre contre lui. À la fin, je lui ai dit que je voulais plus le voir, plus jamais. Je suis désolé. Ça a pas dû être facile. Il m'a pas laissé le choix. Je me dirige vers le forum. Science. Appelle-moi si ça chauffe à Harlem. Ça marche. Bonne chance, Spider-Man. Très bien, très bien, très bien. Mais je vois des trucs qui se déroulent ici, là. Ça serait bien. Un 9%. Il me reste ça. J'ai envie de le faire. Va... Bon, par contre, c'est beaucoup trop loin. Oh, flemme de virevolter à travers les buildings. Voilà, je vais faire ma feignasse, je vais me TP. J'ai un point de compétence, certes. Mais... Merci, Ro. Tu l'as sur PS4 ou PS5, Kenzo? Bonjour à tous. Cette émission ne va pas être très gaie, alors je vais en profiter pour vous inciter à agir aujourd'hui. Les choses vont mal à Harlem. Ok. C'est la guerre entre l'Underground, Roxxon et Tinkerer, et les habitants du quartier pris entre deux feux en font les frais. La candidate au conseil municipal Morales organise une évacuation à grande échelle vers le Bronx. Donc, si vous habitez en dehors de Harlem, et que vous avez une chambre, un lit, un canapé, n'importe quoi, vous pouvez sauver des vies. Je sais que vous avez peur. Moi aussi. Mais le moment ah, ok, d'accord. Ah, du coup, je peux pas finir par l'histoire. Tous ah, ensemble, nous pouvons faire face. Dommage. Pas de quoi. Fier d'avoir un Spidey comme toi, mais ça ne peut pas. Un Spidey, du coup, pour faire chier ses vies. Alors. C'est quoi ça? C'est juste pour ça? Non, tu réponds tout de suite. Merci, cher voisin. Ok, d'accord, je vois d'où ça vient. Ok. Juste pour non, ça? Non, tu réponds tout de suite. Mais juste pour ça? Mais je fais rien et j'ai des trophées. Bon, on va récupérer ça du coup, hein. Allez hop. Donc c'est à dire que là, l'autre a passé 30 minutes au fin du lieu 2 secondes. Donc quoi, les viewers ont du talent. J'adore. Je suis moins fan de cette couleur. Mais putain, on a plein de tenues, c'est vrai qu'attends. Attendez, attendez, on va profiter du ray tracing. Que du coup, hop. Me semble voir des reflets. Ah, peut-être pas. Ah, il me semble avoir des reflets quand même dans son. Oh, pas totalement. Ah, un peu. C'est propre. Je suis pas fan. Elle est jolie, hein. Mais c'est purement personnel. Putain, on a fait tellement de tenues dans. Ce soir, c'est n'importe quoi. C'est Kenjo. J'ai passé moins de temps à faire l'avantage de la vidéo presque. Quand même. Ah oui, non, mais il en faut pour tous les goûts. Y'a pas vraiment de tenue de dégueulasse, c'est juste que moi, c'est mes préférences, tu vois. Opération de vente d'armes. Genre par exemple. Celle-là, ouais. Celle-là, bon, l'écharpe, c'est marrant. Celle-là, non, je pensais vraiment. Ouais, non. Celle-là, je l'aime bien. Non, celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Lâche l'affaire. On a 90%, on est théoriquement pas loin de notre objectif. C'est bien. Salut Sky, comment ça va bien? Les reflets sont au niveau des yeux. Ouais, il me semblait qu'en virevoltant. Ouais, mais c'est comme. Toutes les tenues sont comme ça. À part la tenue Daft Punk. Il me semblait qu'en virevoltant, il y avait des reflets sur son. Ses épaules et tout.
Oh, c'est beau. Ah, c'était mort. Eh bah écoute, moi ça va vu que je stream. Hein, donc, la capsule doit être sur ces pylônes. Ça c'est sur les oreillons. Sacrément courageuse de sauter dessus. C'est les nouveaux qui arrivent. Mais c'est quoi ce bordel? Le chat qui parle, quoi, le chat qui parle. Pourquoi les tracings sur les oreillons? On comprend rien ce qui se passe. La commune incroyable talent. Mais en plus, je l'ai dit il y a pas longtemps à hein, qui ça? C'est qui je l'ai dit? Toi, tu t'es jeté dans l'eau. Toi, tu fais ça. Hé hey Gandhi, je t'ai jamais parlé des capsules que Fini et moi on a cachées un peu partout en ville, si? Je viens de les retrouver. C'est comme se prendre un boomerang en pleine tête. Oh. Et est-ce qu'elle t'aide à comprendre ta situation actuelle? Non. Je me suis juste rendu compte à quel point les choses étaient simples à l'époque. Ah. Juste le bruit des pompes, je crois que j'ai déjà dit. On entend le bruit des pompes sur le vitre. Sur la vitre, sur le vitre. Puis la fin dans le monde. Et après, de l'orage guérir le cancer. What? Avec les extraterrestres. Je doute que tu te faire mordre par une araignée génétiquement modifiée et fait partie de tes projets d'avenir. Ouais. Juste dommage que la neige ne bouge pas quand je marche dedans. Il nous a joué des tours à tous les deux. C'est stylé ce qui se passe. Briser une carte SIM. Putain, mais vous êtes violent, Jean. En fait, la commis est plus violente que moi. On a toujours un petit problème au niveau des bateaux. Hein. Elle est où l'ombre du bataille là? Bon. Arrêtons de faire chier. Alors c'est faux, y'a rien sur l'application. C'est faux! Menteur! Ouais, il se passe des trucs chou. Il bouge au nuage ou quoi? What? Ouais, bon, c'est un peu abusé, mais c'est stylé. L'atmosphère devient putain étrange. Ouais. Salut. Joli. Hey mec, regarde ça. Ça va bien avec l'araignée blanche du costume de l'autre là. C'est ce qu'on appelle... Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de répondre à certaines rumeurs en vogue dans les bars miteux de la ville, selon lesquels Wilson Fisk aurait déstabilisé Harlem afin de faire baisser le prix de l'immobilier pour pouvoir en profiter personnellement. Alors qu'il est en prison! Tout le monde sait bien que j'ai horreur des théories du complot. S'il existe des preuves, je serai le premier à condamner ces actes. Mais... En rapport avec ce que vous expliquiez plus tôt, le Fisk... Irrespectueux, cacher un truc, c'est-à-dire... un corps, par exemple. C'est typiquement le genre de comportement que j'attendrais de la part d'un Spider-Man qui, d'après ce qu'on m'a dit, se frotte les mains de voir le quartier en difficulté. Car les difficultés engendrent une augmentation de la criminalité, ce qui lui permet de se faire mousser, bien sûr. Alors je vous demanderai de ne pas raconter n'importe quoi et de vous en tenir au fait. Ah! En fait, le jeu te spoil lui-même quoi. Ouais bah de toute façon amélioration. De toute façon on peut continuer après. Non on peut pas après. Bah nouvelle partie plus de toute façon après. Le sang on a pas fait donc Attends. Ils me disent que c'est la dernière chance. On pourrait quand même faire ces deux missions là, on est d'accord hein. Ok d'accord. On doutait avec l'orage, mais c'est bizarre quand même. Finn doit être à l'intérieur. Allez. On fait plein. Ok, on est discret.
forcément ils vont tous ramener là. D'un côté c'est pas plus mal. Mais ramenez-vous les gars, mon... Venez, venez. On est plus par là en fait. Voilà, ça c'est bien. Ok. Discrétion de l'éléphant. Non mais je pensais pas que... Parce que l'autre était pas dans le... dans le cercle, malheureusement. Oh mais genre tu m'as hit. Quel enfer. Pourquoi vous venez pas tous au-dessus là, s'il vous plaît. Je suis dans mon carte. Non mais tous. Ça c'est pas ouf ça tu vois. Les gens. Ah ouais c'est vrai. Okay. Ça marche. Voyons quel genre de sécurité vous avez. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le même genre de barrière qu'au James Theater. Il faut que je vide les générateurs dans ces abris. Qui sont verrouillés. Et hors tension. Il faut une nouvelle source d'énergie. Ce mobile géant qui tourne, par exemple. De gens qui sont... Hein ça non. Trop loin pour mes toiles. Eh oui, forcément. Donc ça fait tac, il faut envoyer là. Non, ok. Ouais, non. Ça ira. Super symbolif. Non. Si je fais ça, c'est trop. Non, t'as pas besoin. Arrête. Arrête. Est-ce que je peux le faire d'ici? Bah non, forcément, ça me paraît logique. Oui. On explique. Ouais, ça. Le
aider. Hein. C'est pas logique pour toi. Dans un intermédiaire quelque part, à coup sûr. Je sais pas. Attends. Est-ce que il est où? Ok, c'est d'accord. Ah oui, d'accord, pas besoin de te faire chier. Du coup, c'est aligné avec les autres. J'en ai vu un autre. Je ne conviens pas que ça marche aussi bien. Mais le mouton un peu. Non, lui ça va pas être bon par contre. Ah, quoique. Non, forcément. Pas être bon. D'accord. Ah, tu peux plus les bouger, une fois qu'ils sont bien alignés, tu peux plus les bouger. Incroyable. Super. Il réfléchit pour pas grand chose là quand même. Comme ça. Putain, tu vois, le fait qu'on peut pas aller plus loin, ça nous empêche de faire des trucs très stylés en fait. On peut faire des trucs stylés, mais c'est chiant en fait. J'aurais voulu vraiment encore plus compresser le premier plan et le second plan, mais tu peux pas. Du coup, mon idée foire. Malheureusement. Alors, le fait que tu peux pas toucher à la. Toucher à l'expo, mais pas aux zones. Ouais, bon. C'est dommage. Je me rappelle quand on a gagné l'expo science et que notre convertisseur a été exposé ici. On était tellement fiers. Bien. Bien ambiance. Rien à checker, rien à regarder, non. Non, à part le déroulement normal de. Vérifier un truc. Oh. Très bien. Heureux. Ça, c'est le problème des zooms, c'est que tu peux. On devrait mettre la caméra beaucoup plus loin, on peut pas en fait. C'est dommage. Il y a tellement de trucs à faire. Bon, faut que je vérifie un truc. Non.
mon truc. Voilà. Non, non, en fait, j'avais pas capé qu'on pouvait le faire tourner plus d'une fois, mais. Ça. MX. Non, peut-être pas qu'on fera 100% ce soir, c'est différent. Hein, théoriquement, je ne peux pas, il y a une nouvelle partie plus. Donc. Elle doit être avec notre projet, au bout du couloir. Ça, en faux sûr, ça va se casser la gueule. Ah ouais, avec les, le tirage de ouf là en plus. Allez le mollasson. Je veux voir notre projet avant qu'on meure de vieillesse. Ça va, j'arrive. Incroyable un flashback. Hey, ils nous ont mis où? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Et comme ça, t'es un notre ouf. Projet est dans une expo temporaire en haut. Ah, j'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le forum des sciences Oscor. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Trop bien. Depuis le milieu du 20e siècle, les scientifiques imagine toutes sortes d'habitations sous les vagues. Peut-être qu'un jour, en regardant par la fenêtre, vous saluerez le chatoyant poisson clown ou la mystérieuse baudroie. Celui-là, je vais l'appeler Howard. À ton tour. Léviathan. Trop bien. Rien que ça. Yeah. Les fermes d'algues sont essentielles pour une vie saine et durable au fond des océans. De nombreux produits commerciaux utilisent déjà des algues cultivées à l'échelle industrielle, des colorants produits... Je me demande quel goût ça a, les algues. Ça doit être comme le kale. Oh, je déteste le chou. Cette maquette combine à la fois le design d'un sous-marin et l'intégrité extrême d'un véhicule piloté à distance. Ce prototype d'un Scorp pourrait ouvrir à l'humanité de nouvelles possibilités d'exploration. Il nous en faut absolument un comme ça. On pourrait en construire un avec un aspirateur et des vieux pneus en se creusant un peu la tête. Oui. Vous pensez que vivre sous la mer relève de la science-fiction? Détrompez-vous. L'homme se sert d'habitat sous-marin depuis les années 60. Cette maquette représente un modèle de résidence subaquatique pérenne. Aujourd'hui, les New-Yorkais bâtissent vers le haut pour gagner de la place. Demain, nous irons peut-être dans le sens inverse. Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Des requins, du noir, des espaces confinés? Très peu pour moi. La Terre est plus vaste que ce que vous croyez. 95% de nos océans demeurent inexplorés et représentent potentiellement la prochaine frontière des habitations humaines. C'est bizarre de se dire qu'on en sait aussi peu sur notre planète. Merci, la réduction étudiante, ça te plaît? C'est génial. Ouais. On voit qu'Oscorp a dépensé son compte. Ce scaphandre est l'un des premiers développés au début du 18e siècle. La première tenue de plongée résistant à la pression a été mise au point pour repêcher des biens ayant sombré. De nos jours, ces tenues servent aux sauveteurs, aux scientifiques et aux explorateurs. Tu crois qu'il me laisserait l'essayer? J'adorerais te voir essayer de marcher dans ce machin. Ça peut pas être pire que tes chaussures au bal du printemps. Oh, ça va. Les tiennes avaient plus de talons que les miennes. Viens, on va dans le grand hall. L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. On a le temps de regarder le reste d'abord. Bah ouais, évidemment qu'on va tout regarder. Attends, on va pas rush. Ça serait incroyable, non? Que ça rend une qualité sonore de malade. Pas dans l'espace. Autre truc à regarder.
secrète met en scène une mission pour terraformer et coloniser Mars, notre plus proche voisine. Dans Mass Effect. Comme une petite communauté sur Mars. Ça manque de café et de street art. À l'aide d'un alliage à mémoire de forme ou métal intelligent, les scientifiques d'Oscorp ont mis au point ce prototype de métal capable de changer de forme sans perdre son intégrité. Un jour, le métal intelligent pourrait servir dans toutes sortes de machines, et même chez vous. Wow, regarde! Du métal qui change de forme. L'idée est cool, mais c'est vraiment trop basique. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Les innovations architecturales sont essentielles pour la survie de l'être humain sur notre planète. Ce modèle d'habitation protégerait ses occupants des températures glaciales sur Mars. Hé, regarde ça! Tu veux une maison sur Mars? Bien sûr. Si j'ai le droit d'amener mes micros, mes haut-parleurs, mon sampleur... Ils te laisseront pas prendre tout ça. Ils accepteront s'ils veulent du bon son sur Mars. Okay. J'aurais voulu avoir des musées là où j'ai... On y va. Oh, on se fait une partie? Ah, c'est à celui qui bourrine le plus. On peut? Donc tu déclares forfait? Jamais. Allez. Allez, plus vite! Allez, mets les gaz! Allez. Voilà. Ha, j'ai trouvé un domaine où je suis le plus fort. Ça durera. Ils sont combien à voir ça? On rigole. Ah, quand même. Ah. Allez, en revanche. Allez, nul. Allez, très nul. Attends. Frankenfield, hein. Ce jeu a été créé pour moi. Deux victoires, y a pas de quoi la ramener. Ok, bah alors trois alors. Ils ont prévu un tax pour une deuxième victoire. Allez. Défoncer Mary Gossens. Allez, dépêche. Une victoire pour moi. Mais non, j'arrive pas à y croire. Jamais 203. Ok, ils ont prévu. Ah d'accord. Et toi tu seras encore là à jouer. Ok. Les trois sont prévus. Très bien. Good 5 jours de mini-jeu. J'affronte mes viewers sur le lancement de la navette. Ok, c'était prévu. 3 c'était prévu. Non, c'est pas vrai. On en vient avec. Est-ce que j'ai checké ça? J'ai pas checké ça. Putain, on dirait vraiment le Mako. Dans 2 heures. Le Mako. On était poussé le Mako. Mais... Ça c'était Mako. Il faut me moquer, c'est un seul appel, c'est pas pareil. Il détecte les minéraux, il transporte des passagers dans des milieux toxiques. Des mines héros. Tu t'imagines conduire ce monstre sur la 5ème? Des mines héros. Dégagez les piétons. Un monstre spécial quand même ce gars. Je veux tout voir. Sur Terre, l'énergie solaire pourrait fournir nos stations, navettes et colonies extraterrestres en chaleur. Il y a un truc que j'ai pas pu voir, je crois. Ces autocollants Oscorp montrent à quel point les cellules solaires peuvent être souples et abordables. Allez-y, servez-vous. Oh, lumineux. Ouh, lumineux. C'est des panneaux solaires adhésifs du futur. Oh, lumineux du futur. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait, les baraques c'est fait. Ça on a checké, ça y a rien. Ça on a checké, bon, on a tout checké je crois. Ouais. Ton père a été sympa de nous déposer. Bon, let's go. Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire? Oh, notre projet est exposé. Hein? Je pensais pas qu'il fallait des entrées. Eh bien si. Non, c'est Miles déjà. Donc je ne peux pas vous laisser monter. Comment ça c'est compté quand même. Bon, faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. Elle a dit que tout était vendu. Ouais, mais tu vois cette porte? Le couloir derrière même. Ah, de quoi jusqu'où? Verrouillé. Je reconnais ce genre de serrure. Si on éclaire à l'intérieur, ça s'ouvre direct. Les flashs de nos téléphones, ça marcherait. Mais ça porte pas assez. Ça marchera si on arrive à glisser un truc réfléchissant sous la porte. Un truc comme réfléchissant.
Comme les trucs solaires. Hein. Et polymorphe, ce serait l'idéal. Ah non. Polymorphe oh. Tu veux dire qu'il change de forme? Bien, c'était bien. Alors comme sens, mais utiliser des mots compliqués. Voilà. Ferme-la. Non, c'est ici, c'est comme ça. Un alliage à mémoire de forme. Je peux le modeler sur l'appli du musée. C'est dingue ce truc. Tu crois que c'est de la métamatière? Ça y ressemble. Je me demande si elle utilise une bande interdite phononique. Ça y est, prends-le. Faut pas qu'on se fasse griller. C'est bon, on y va. Ah bah oui. Bon, désolé. Incroyable. Ah putain. Vu que les outils externes communiquent directement avec l'ordi du module de commande, on pourrait répliquer l'idée, mais avec une interface neurale. Ça surchargerait la ligne centrale. Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier, via des points d'entrée multiples. Hmm. Tu crois que tu pourrais t'en charger? Avec du temps et des hectolitres de café? Absolument. Je m'occupe du café. Bien vu, Peter. C'est bizarre de revoir. Pas sans ton aide. On devrait retourner au labo. La pause déj est finie depuis longtemps. Oh, Doc, je suis désolé, mais je vais devoir m'absenter cet après-midi. C'est une urgence. Encore? Tu as des choses plus importantes à régler, Peter? Rien de grave, j'espère. Tu sais que tu peux m'en parler. Ça va, mais je suis désolé de vous poser compagnie à nouveau. T'inquiète pas. Mon travail t'attendra tranquillement. Bon filature. Merci, Doc. Ok. Une intégration par-dessus le maillage. Il arrête pas de me surprendre. Déjà c'est nil. On lui se barre. Je croyais qu'il disparaissait dans le noir. Quoi. Bon, la porte. Merde, c'est pas grave. C'est pas suspect. Attends. Ah mais elle traîne de ouf. Oui. C'est bon. Elle est chelou, hein, clairement. Mais. Bon, soit je suis gogol ou quoi? On a récupéré les trucs et maintenant. Quoi? Ah putain, bah je savais bien qu'il fallait prendre ça. Merde. Incroyable ça. Oh, regarde. Des miroirs solaires. Et ils sont méchants. Parfait pour tromper un verrou sensible à la lumière. Comme tout à l'heure. Serre-toi. Je vais coller un écusson dans le terre de Milan, je sais pas trop quoi. Allons faire un truc pas du tout discret. J'ai la lumière. Dis-moi quand. Là, je me couche à 22h. Oh, il est pas encore 22h. Personne nous regarde pour l'instant. On doit faire vite. Faisons autrement. Eh ben 2 secondes. Non, ça c'était bien. Ah non. Ah ok. Oh, votre forme chou, non celle-là. On n'a plus qu'à recommencer. Non mais. Ah bon, j'ai pas vu. Ça, c'est clairement pas ça. Non, ça va pas. Ah non. On déconne. Pas sûr non plus. Ah mais putain, mais. C'est l'enfer. On a réussi. Ça a marché. Allez. Notre projet nous attend. Ah putain. L'art d'avoir la bonne solution, mais pas de la bonne façon. C'est... Ah, c'est un don, hein. C'était génial. Oh, c'est un peu trop carré. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bah, arrondi, quoi. Tu rentres à Brooklyn Visions la semaine prochaine. Pas moi. Je vais pas m'envoler dans l'espace.
On se verra encore. Tu seras occupé. Pas tant que ça. Je trouverai du temps pour nous deux. Pixel art. Non mais sérieux. Dans Minecraft. Bon allez. On va quand même pas se mettre à pleurer. Allez viens. On monte. Non, 4K. Carrément. Pelouse. Bon, ton clavier qui a bugué, c'est y, je pense. Allô, Mike. Salut, monsieur Davis. T'as le bonjour de Finn. Vous vous amusez bien? Vous penserez à prendre votre projet en photo? Papa, c'est pas important. Tu rigoles, c'est super important. Ok. Ouais, mais les dialogues, ils arrivent trop vite, en fait. Bisous, papa. Tu sais, ça fait pas naturel dans l'échange. C'est pas un problème de forcément de Spider-Man, mais c'est que souvent, j'ai remarqué que quand t'as un échange... Notre projet est tout au fond. Vu que c'est basé sur la VO... Il remplace juste les fichiers audio, ce qui fait que souvent, la personne B répond trop vite à la personne A, tu vois. En lui donnant une poubelle, par exemple. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Donc, quelque part, tu l'as quand même dit, mais... Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut faire un truc? Non, on peut pas. Ah. Ah, de quoi, pour un musée. Oscorp finance vraiment les projets les plus cools. Mais... C'est ça ton boulot de rêve? Scientifique chez Oscorp? Non, je me vois pas bosser dans une grosse boîte. Mais en R&D, je dis pas non. Situé à l'un des deux points de Lagrange, dynamiquement stable entre la Terre et la Lune, la station scientifique Oscorp pourrait devenir un jour une résidence permanente tête. Pour les explorateurs ici. Ça doit être tellement cool de vivre dans une station spatiale. Oui. Ah ouais. Ah, si t'aimes pas la latence, c'est compliqué, mais ouais. Et ça, quand même, ça me. Non, ça, vraiment, rien là. Que dalle. Dommage. L'énergie nucléaire nous est indispensable pour explorer. Bah oui, logique. Bah non. Le rendement énergétique et les transports seront. Tu recalcules le temps, et puis ouais. Atteindre et coloniser des planètes aux limites du système solaire et au-delà. Je connais cette voix. Réacteur nucléaire de Scorp. Rick travaille sur un truc qui est censé remplacer l'énergie nucléaire. On est censé savoir ce que c'est? Non, Roxxon garde ça super secret. Elle fait des trucs chou à court partout. Ah, l'hydro... l'hydroponie. Si on peut faire pousser les fleurs dans l'espace. Ah, Roanoke, putain. Il se concentre plus sur la nourriture. Pourquoi? Tu vas impressionner quelqu'un? Vaut mieux être prévoyant. Au cas où je voudrais charmer une jolie astronaute. Super. Je commence par changer de t-shirt déjà. Est l'une des plus puissantes inventions utilisant du carburant liquide. Aujourd'hui, Oscorp s'appuie sur cette technologie afin d'optimiser le rendement énergétique et permettre l'exploration du cosmos. Un coponie. Puissant moteur fusée à air liquide et turbopompe jamais construit. Turbopompe incroyable. J'imagine bien sur les rassos. T'as quoi? Ah bah moi j'ai un turbopompe là, je suis en stage 3. Bon. Refasse ta carte au, mais... Et lune Mars en 3 secondes 6, pas mal. C'est lors du programme spatial Apollo que l'humanité a signé l'une de ses plus grandes prouesses, poser le pied sur la Lune. Depuis, les scientifiques rêvent de voyager, voire d'habiter au-delà de notre système solaire. Ou pas. Oh, 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 wow. Père Noël. Regardez-moi ça. Si jeune et déjà des scientifiques. Si con. Y'a personne qui nous a dit qu'on était dans l'expo spéciale. L'entrée est payante? Ouais, non, les gens vont faire des liens bizarres, héros. Comment vous êtes entrés? Laissons les gens douter. C'est pas important. Les vrais savent. Hey, venez là, on va prendre une photo. Attends, faut que tu sois dessus. Tu nous as aidé à le finir. Ok, ok, je viens. Poussez-vous. Voilà. Dites diploïde. Je refuse de dire ça. Finn. Simon. Il faut que tu saches. C'est marde. J'en ai marre de t'écouter. Quand même beaucoup plus stylé comme ça. Ah,
J'adore. Maintenant, c'est mon nouveau truc, je regarde. 50. Ah, il y a quand même la moitié des gens qui sont arrivés là. Très bien, très bien. Merde, je sais même plus lesquels c'est. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, du coup, ouais. J'utilisais ma barre pour. Il s'est passé des trucs chelous, non ? Ah, d'accord. Ah, d'accord, il s'est passé des trucs vraiment bizarres. Faut se calmer maintenant. Bon. C'est un truc de ouf. À force de me faire des ralentis, du coup, ça me nique mes barres de vie. les seniors, ils changent, c'est trop bien. Faut que j'arrête de faire des ralentis en fait, parce que c'est pire. Ah, c'est bien pratique, hein. Ouais. Très bien. C'est tellement rouleux que ça. Bah t'es où à la loyale, bordel? Vous ramenez tous au milieu, hein, s'il vous plaît. Ah, pourquoi mes combos ils sont cassés, hein? Ah.
Ah, j'ai 34, dommage. J'ai mis assez d'ennemis dans le jeu. Oh, ils arrivent après les mecs, c'est relou un peu là. Ah, ok. Donc pareil, c'est Gamma fini le jeu aujourd'hui. On va vraiment faire genre de pari. Parce qu'en fait, c'est moi qui décide, tu vois. Je peux jouer plus longtemps ou moins longtemps, donc Ah. Ça on peut faire. Ça on peut faire. Ça on peut faire. Alors. putain. Du coup, j'ai la pression tout de suite, tu vois. Truc de ouf, ça. Tac. Je vous mets 2 minutes. J'ai gère le chat en même temps. Il va gérer ou ouais, merde. Ah putain, j'avais déjà marqué, mais ok. J'avais. pourquoi. Peut-être parce que mon PC en PLS, il faut pas trop charger au cas où. J'avais mis oui, crève, non, trop de skill. Je vais mettre merdé. Pas merdé. Ouais, je vous laisse 2 minutes, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mourir ou ne pas mourir. Je peux vous passer une pub de 60 secondes pour rigoler ou pas? Ouais, je sais pas ce que ça fait, c'est marqué passer 60 secondes de pub. En fait, je sais pas, j'ai envie de vous troller le ouf. Vu que vous êtes en prédiction. Je sais pas, j'ai ça qui est là, je sais pas à quoi ça sert. Putain, je suis à 249 followers. Incroyable. Je mets tout dessus. Ah ouais, non, mais. Il y a d'autres choses. Oh la pression. On peut pas mettre 30 secondes de pub juste parce que 60 secondes c'est roule un peu. Je peux faire ça. Gérer, commencer à s'enciner, jeter une description, clipper ça. Modifier les informations. C'est quoi ça? Ajouter un repère? C'est quoi ça? Lancer une rediffusion, incroyable. Pendant que vous faites vos trucs, je regarde. Passer 30 secondes de publicité, bah voilà, je vais ajouter ça. On rigole. Je vais virer celui-là. Comment on dégage ça? Pas dégager celui-là. Comme ça. Modifier. Voilà, poubelle. C'est un ciné poubelle, ça sert à rien. Ça dégage, ça sert à rien. C'est bien ça. T'as 2 essais. Ouais, de toute façon, je peux, c'est moi qui valide ou pas. Hein. Donc, putain, vous êtes beaucoup trop chaud. Hein. Oh, 70K. C'est exceptionnel ce qui se passe. Ok. J'adore.
aller à Harlem, tout de suite, avant que Finn ne détruise le réacteur. Voilà, je suis sorti. Comment ça se passe, l'évacuation? Mal. Roxanne et l'Underground nous sont envahis. C'est une vraie zone de guerre. T'es en sécurité? Et ma mère? On s'est enfermé. Votre gars, une dizaine de personnes, mais on est en protège. J'entends mal. Vous êtes où? Donc, bon bah... Bah voilà, c'est... Vous avez vraiment stonk de ouf. Stonk de ouf. Incroyable. Non, mais plus il y a de gens, plus vous avez d'attitude. Vu qu'il y a personne en face, je sais pas si ça vous fait grand chose. Bah ouais, vu qu'il y a personne en face, je pense. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Hein. Ça se trouve, c'est Hero qui a gagné des trucs. Si tu m'entends encore, je suis en route. Tenez bon. C'est juste le karma. S'il vous plaît. Alors, je pense que c'est parce qu'il y avait zéro personne en face, je pense. En fait, vous gagnez le truc des perdants. Vous comprenez? Je pense que c'est ça le délire, et ça me paraît logique. Dans un sens. On n'a pas assez de points de compétences. C'est un truc de ouf ça. J'ai jamais vu une tempête aussi forte. Ouais, la tempête est chelou. Faire en sorte qu'il shoot à lune ou pas? Ganky, tu me reçois? Ganky, tenez bon. Avec le RP avec son compte hein. Ils arrêtent pas. Je connais les parcs si je peux avoir une chance de les soigner. Pardon. J'arrive pas à voir à deux mecs. C'est n'importe quoi. Je me fais hit quoi. Ah c'est comme ça. Wow. Mais tu n'y es pas.
c'est le bordel. C'est compliqué pour vous lire quand même là. Gloria, vous allez bien? Le fils est évacué? Ouais, tout le monde a évacué, sauf moi on dirait. T'es où Mike? Vers la 125ème. Je vais chercher ma mère. Je crois que le nouveau Spider-Man s'en occupe. Il les protégera. Pense à toi d'abord, ok? Sors de là. Ouais, ok. Je le laisse faire alors. Prenez soin de vous, Gloria. Ouais, toi aussi. Six, 47 combos. Pas, j'ai mis un paquet. C'est qu'il y a, hein. Mmh.
Chaud. La porte. Ganki. Oh putain. Ganki, vous êtes où? Vous pouvez vous enfuir? C'est qui ça? Y'a quelqu'un? Hé, écoutez-moi. Il faut qu'on sorte de là. Mais je pourrais pas porter tout le monde. Vas-y. Elle a déjà commencé. Ils sont pulvérisés. Ah. Y'a des choses plus importantes à faire. Il a raison. Vas-y. On les fera évacuer. Je reviendrai. Je sais. Ok, tout le monde. Essayez toutes les portes. Ah, c'était là qu'il fallait. Ok. Non! Tu sais pas ce que tu fais! Il mérite! Non, mais ça. Non, j'ai loupé un combat contre une porte! Trigger l'a modifié! Tu vas pas seulement détruire Roxanne Plaza, tu vas faire disparaître tout Harlem! J'en ai plus qu'assez d'entendre tes mensonges! Mais. Je vais m'en occuper. Hein. Ah, ça me rappelle. Spider-Man. C'est trop tard. Pas te laisser faire ça. Je peux pas te laisser m'arrêter. Tu vois pas ce que le réacteur est en train de faire? Il détruit la plaza! Il rase le monument de Krieger! On coltine tous les clichés de combat de boss, mais c'est vrai. Tu es la seule personne que j'aurais dû avoir de mon côté. Je suis de ton côté. On peut faire tomber Robson avec ce qu'on sait sur le uniforme. Ça marchera pas. Tout le monde s'en fiche.
un seul débris quoi. Ah oui d'accord, c'est le F7 quoi. Oui, pète-moi ça, s'il te plaît. Non. Non mais j'en ai pas. Faut péter tous les piliers. Joli, très gros loupage. Ah ouais, ok, d'accord. Je me suis dit, je tente, tu vois. Vas-y. Arrête de bouger. Putain, t'es chiant ça. Tu paniques pas. Putain. Même les esquives, ça compte pour les combos. Non, attends. Bien joué. Esquive. On verra ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Oh, t'es délire, là. En fait, tout Harlem pourrait même. Est-ce que vous avez la moindre idée du genre d'assurance? Je vous parle même pas de l'éventualité d'une attaque terroriste. Oubliez Robson. Bientôt, ce sera Robsonville. Allez, à plus tard. Non! Je dois l'arrêter! Pas comme ça! Non. Non mais c'est quoi ces trucs oh, oh. C'est à peine abusé les armes que là. On peut lui enlever ses roquettes. Téméric aussi. Comment tu peux défendre son meurtrier? Je me défends pas, mais je refuse de sacrifier Harlem pour arrêter Trigger. Je t'ai déjà battu. Même si je vois pas. Recommencer. Pas cette fois. Ces sources de choc, aide-moi à l'arrêter. Ça ressemble pas. J'aurais pas des pour intégrer l'Underground. Vous pouvez revenir en arrière. T'as entendu, Trigger. Les 7 personnes de nous, c'est les habitants de Harlem. Trigger manque toujours. Non. Ah ouais, c'est vrai, putain. Je t'ai laissé plein d'occasions de partir. M'oblige pas à te tuer. Tu ne peux pas gagner. Pourquoi tu continues? Parce que... je suis... Spider-Man!
Un petit combat le long de l'immeuble, non? Putain, mais. Hein? What? Pardon? Ah dommage putain. Je me suis fait avoir deux fois. Putain j'enchaînais tellement bien, ça m'a cassé mon rythme. Ah c'est dommage. En fait c'est là quand elle fait ça. Je veux tellement esquiver vite. Chaque fois, faire triangle tout simplement. Ah oui, j'aurais juste faire triangle. Je vais tellement me rapprocher d'elle. Alors je mourrai en essayant. Benjamin Workshop, c'est ça, Hiro? Je crois qu'il l'a fini là. Quasi. Sur le phare. Ah non, un truc comme ça que je suis, je crois. Il faisait le châssis à l'époque, je crois.
de s'éloigner. Je vais pas tenir très longtemps. Qu'est-ce que tu... Reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez vu son visage? Bon travail, Spider-Man. Merci. De qui s'agit-il? Lui, là. C'est notre Spider-Man. Ah oui, bah tu sais, fin du jeu, en général, je parle pas trop, tu vois. Tu vois, respectons quand même le jeu. Ah, c'est con Elon Musk, hein. Malgré ta teinture. Ouais. Oui, bah oui, tu es en train de gueuler, on peut faire que ça. Simon Krieger est derrière les barreaux. Aaron Davis, alias le rôdeur, s'est retourné contre lui et Roxxon. Davis ira en prison. Je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout ce qui est arrivé à Harlem. Ensemble, on est plus forts. Et avoir un Spider-Man rien qu'à nous dans le quartier, c'est pas mal. T'as l'air en forme, Ellie. En fait, c'est pour ça qu'ils sont censés être sous-titrés, ils sont pas censés parler, tu vois. Du coup, retour sur le début, quoi. Ouais, c'est vite remis, hein, vraiment, de ça, de robot. Mon premier strike de 2021, ça va être beau. Il va arriver à droite, forcément. J'arrive pas à me faire un costume. Ah, il arrive. Que je m'affirme. Ouais, c'est vrai. Pete, est-ce que ça devient plus facile? Ouais, non. En partie. Il y a des choses qui restent difficiles.
Roxanne a fait ça ici parce que pour eux, on vaut rien. Moi, Rick, Finn, tout Harlem. Notre boulot, c'est tout faire pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça. On va rajouter ça au Spider Serment. On y va ? On y va. Ça ne serait pas les deux jaquettes, ça ? Faut que tu laisses au générique. Ouais, j'ai l'habitude de passer, c'est vrai. Du coup, la 1008, ouais, j'ai pas vu. J'ai vu qu'il avait démarré la forme, mais j'ai pas vu s'il est foutu dedans. C'est vrai que par rapport à la fin de l'autre Spider-Man, celui-là, voilà. Ça reste quand même un sacrifice, tout ça, je m'attendais pas à ça, tu vois. Et forcément, je suis bon, moins touché que Spider-Man PS4. Oh, salut Joël! Bonsoir! Ah, faut que je m'adapte à vos différents pseudos. C'est vrai qu'on est sur YouTube ce soir. Bonne année, merci! Bonne année à toi! Le générique est très stylé, j'adore ça. Le générique des Fast and Furious à l'époque était stylé. Je vous en suis du deux. Je suis ici, tu connais. Le pire dans ces moments-là, c'est que si carrément la vidéo est bloquée, tu vois, je suis obligé de couper le son, ça casse les couilles. Quand c'est une game, j'en fous un peu, j'en ai envie de casse. Mais quand ça fait partie intégrante du truc, c'est relou quoi. Mon avis, c'est de la merde. Non, ça s'est amélioré sur la fin. Il est pas si court que ça. Forcément, comparé à l'autre, si. Ça va quand même un poil cher. Quand même. Mais. Ça aurait été un peu trop gros pour un DLC quoi. Mais non, en vrai, peut-être qu'il est un peu trop chaud pour du normal, tu vois. Mais non, mais il est très stylé, hein. Du coup, c'est générique, quoi. Ah, tiens. Ok. Évidemment. Évidemment. En vrai, c'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est vrai cette phrase. Ah, incroyable. Hulk, c'est le mec qui a rien compris. Ah oui, d'accord. Signe vitaux stable, système circulatoire fonctionnel, activité cérébrale normale. Il serait temps de le faire sortir. Monsieur Osborne, c'est votre fils, je comprends. Mais sa maladie pourrait.
Mais nous sous-estimons peut-être le danger potentiel. J'ai dit ! Libérez-le ! Maintenant ! Mmh. Incroyable, deuxième générique. Connor. John Connor. Brian O'Connor. les musiques sont mieux dans le premier. Oui, bah oui, non mais totalement. Mais parce que le premier c'était plus des musiques de films. Là ils ont fait une bande son mode. Hey, tu vois. Non, je passe aucun. Passe aucun. Générique. Non mais quand je dis que je connais pas. Imaginez si je disais oui alors tu vois telle voiture, tel machin. Mais c'est bizarre ce qu'il a dit. Genre, je comprends. Mais ouais, je suis pas spécialement fan de. Ah, mais je crois qu'il était dans Spider-Man sur PlayStation, tu vois. Attends. Me semble, Spider-Man 2. Bah, sur PlayStation, en tous les cas. Mais c'est lui qui est dans la queue. Oui, oui. Ah, oui, d'accord, ok. Ah, incroyable. Donc, petit easter egg. Ouais, c'est pas celui qui est dans la queue. Je dis, attends, mais c'est pas possible parce que je connais quand même les noms. Je... Ah, oui, bah oui, non, mais l'autre est qui est plomb à droite. Ça, c'est pour les connaisseurs, pas pour moi. Ah, il prend fort, il est encore tout à fini. Ok. Merci. Je pense qu'il a tous les faisceaux, tout genre de commandes à faire. Donc. Donc, futur ennemi. Être pas tolérant. Je vais me classer en plus. Et du coup, je me demande prochain Spider-Man, est-ce qu'on n'aura pas du coup les deux? C'est pas easter egg, ça tisse carrément. Bah, ça tisse rien du tout. La preuve, moi je fais. Je connais pas. Tu vois. Donc, ça tisse que pour ceux qui connaissent. Ou qui n'est même pas au centre de l'écran, il est juste à droite. Bon. Avec les connaisseurs qui vont faire. Ah ah! Tu vois. En vrai, la plupart des scènes post-génériques d'ailleurs de Marvel, des films, c'est pour ceux qui connaissent, hein, parce que vraiment, les gens qui vont voir un film au cinéma, ils font « Ouais, et ?» C'est les gens, j'ai vu, hein, quand j'étais voir les Avengers au cinéma, les gens, ils comprennent pas, hein. C'est en mode « Je n'arrête oui. pas d'entendre les délires. Oh putain, encore lui. L'enfer. De l'âge de Jared. Quel âge, vous savez? Le grand dieu Jared, trouvez-vous un vrai boulot? Bref, il parle de l'appli « Araignée sympa du quartier ». Prétendent que Spider-Man Senior peut tout faire. Eh bien, je viens d'utiliser la dite appli pour commander un saganaki de mon restaurant grec préféré à Astor. Déjà faire médium, oui. En précisant bien que je voulais qu'il soit livré, frais et flambé devant mes yeux, comme le veut la tradition. PS6, elle sortira. Streamer de Spider-Man. La vidéo PS5 sortira sur la PS6, en fait. Et voilà, Monsieur Jameson. Je vous laisse. Jared, appelez la police. Spider-Man s'est introduit dans le studio et il met le feu au... Oh mais c'est vraiment délicieux. Envoyez les pubs, Jared. Je dois manger pendant que c'est chaud. Ah non 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 non. Vous n'aviez qu'à en commander un. Alors pas touche. C'est à moi, Jared. T'en mets un peu tôt quand même. Parce que les gars, ils ont quand même fait le remaster. Plus Miles Morales PS4. Plus Miles Morales PS5. Aussi s'il l'annonce cette année, mais il sortira en 2027 quoi. Donc je suis pas persuadé de ça. Hein. Plus l'année prochaine, je pense.
Luffy qui compare Booba à... C'est beau quand même. Sacré Booba, qu'est-ce qu'on se marre avec lui. Désolé, je joue avec un feutre. Ça y est, feutre là pour les Velleda. Voilà, voilà, tu touches à ça. Le lézard. Bon, un petit côté argonien, forcément, ça me plaît. Mais... toujours mieux que l'homme sable. Bon, l'homme sable, je m'en carre le cul. Et qui bossait déjà dit quand l'étonnant était sorti. Donc les mecs bossaient sur 3 jeux à la fois. Ok. Y'a pas de lézard, putain de merde. On veut le bouffon vert, putain. Non, en fait, j'en fous, le bouffon vert. Finalement, il y aura pas de MX. Petite VOD de 2 heures, c'est beau. On a mis quasi une heure pour finir le jeu, quoi. On n'aurait pas dû. On aurait dû garder ça pour une autre fois. C'est vrai, en vrai, il restait une mission. J'aurais dû faire ah non, vas-y, on est presque à la pause, tac tac. Mais bon. On a déjà la map. Ah bah oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est sûr que ça, tu fais plus vite. La force, on a un peu tourné en rond, peut-être. Mais bon, en même temps tu vas pas faire Spider-Man. Ah quoique, Homecoming, tout ça quoi. Ah oui, oui, on va la passer un peu plus longtemps. N'oubliez pas. Ramastor c'est rapide. Oui. Il y a Ramastor et Ramastor, tu vois. Il y a Ramastor Spider-Man PS5 et puis il y a Ramastor... Mario sur Switch quoi, hein. C'est une pure remaster, c'est vrai. Vraiment les 3 Mario, 4 Mario sur Switch là. Quelle escroquerie. Du coup on a deux autres. Putain, on a une nouvelle partie puce, je pense qu'ils étendront. Ouais, bah j'y pense tu vois. Mais en vrai, est-ce que Spider-Man n'est pas censé rester tu vois. Oh, parce que bon, ce serait possible, tu vois. Mais bon. Et qu'est-ce que je veux dire, bah, du coup, je suis curieux de savoir comment ça va se passer après le générique. En nouvelle partie plus, est-ce que je garde. Bon, je garde toutes mes compétences et tout, mais est-ce que je garde ma progression au niveau des missions annexes. Normalement, non. Ah ouais, putain, j'ai complètement oublié. Ah oui, c'est vrai, Ubisoft, en fait, j'ai envie de te dire. Ubisoft, quoi. Ouais. Merci Sky. J'ai fini l'histoire. J'ai pas encore fini à 100% et j'ai pas le platine. Donc, Remaster, Prince of Persia. Ah bon. Non, non, mais t'inquiète. Mais effectivement, j'ai fini l'histoire. Ce sera effectivement mon premier platine avant que je passe Bugs Max avant. Mais j'ai envie de, non, j'ai envie de, on va pas commencer à me dire du jeu. Mais on fait ça, c'est bien pour moi que t'as fini le jeu, il faut que tu fasses un truc rapide. Oui bah déjà laisse le générique s'écouler tranquillement. C'est pas comme si j'allais partir dans 2 minutes, tu vois, t'inquiète. En plus ça a l'air de fonctionner. Merci Hiro. Bon après je l'ai fait en normal, hein, je sais pas. Contrairement à l'autre. Est-ce que je joue en difficile? Non, je joue en incroyable, l'autre Spider-Man d'ailleurs. Mais c'est vrai que celui-là, pour du normal, je le trouve un peu tendu. Et plusieurs fois, je suis mort. Oui, bon, après, c'est bon pour des conneries. Mais... globalement, je trouve l'autre quand même plus dur. Parce que sabre, à chaque fois, je me confonds. Bref, il cassait bien les burnes. Là, il est moins de relou. Mais... pour du normal, je me dis oh, ça picote un peu. C'est censé être un peu détente en mode normal. Donc voilà. Et Astro. Oui, Astro, oui. Bah, de toute façon, c'est pas comme si j'avais un milliard de jeux sur PS5. Ah oui, non, mais j'imagine bien du coup. Après, on sait pas. Bon, là, je te crois parce que tu me le dis. Mais c'est vrai que des fois, du mode normal va être dur. Tu dis ah putain, le mode difficile, très difficile, ça va être incroyable. En fait, pas du tout. C'est le cas d'Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Je l'ai fait, je crois, en normal, en difficile, je crois, une première fois.
J'en avais chié un passage à la con à côté d'une rivière, fallait remonter une rivière, je suis putain j'en peux plus, on dit très difficile, je vais en chier de ouf. Très difficile, je vais faire ce try. Je comprends pas trop. Mais voilà. Ok Luffy, ça marche, merci de passer, à demain, je pense. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Sable, ouais merci, chaque fois c'est... Parce que ça, je me dis non, sable, c'est l'homme de sable, donc ça doit être sabre. Mais non, c'est pas sabre. Putain. On partira pas tout de suite sur Spider-Man PS4 par contre, parce qu'on bouffe du Spider-Man quand même à la louche. Et on en a pas non plus 50 sous le coude. Donc, je pense qu'on partira sur Spider-Man PS4 quand on aura fait Medium. Je pense que c'est bien. Comme ça, on continue de l'autre côté. Putain, faut que je reprenne Black and White, qu'on le torche une bonne fois pour toutes. Qu'on finisse Doom, Alan Wake. On pourra se mettre à Brutal Legend. Et je sais pas trop ce qu'on a commencé d'autre. Uncharted 2, c'est vrai. On est 8. Ouais, bizarre. En tout cas, GG aux gens qui ont fait le jeu. Non, ça va, il est vraiment agréable, ça en est une merde. Après, voilà. C'est pas non plus un jeu incroyable en mode wow, la PS5 trop puissante, ça se voit que ça a été fait, voilà. C'est vraiment un jeu PS4 comme je te dis, c'est if en privé. C'est vraiment un jeu PS4 qui était un peu gradé PS5. Mais c'est clairement pas un jeu PS5 contrairement à... Oui, il s'appelle ce jeu là, avec des armures de lion chelou là, Godfall. Voilà. Et lui pour le coup est vraiment next-gen. Ou même Demon's Souls, même si c'est un remake. Bon, remaster, c'est plus un remake à ce niveau-là. En vrai, je montre c'est pas le jeu le plus beau de la PS5 au final. C'est assez ironique, mais c'est comme ça. Mais ça va en vrai. Il faudrait le nombre de VOD qu'on a fait sur le jeu, mais. Bao Bui Ngok Ya. Ok. Ouais, ouais. Il y a vraiment du monde de ouf. Hein. Du 46 quand même sur PS4. Ouais, bah sûrement quand c'est le bordel. Par exemple, là, à la fin, je pense que ça devait peut-être ralentir un peu. Ou surtout quand t'as tout le monde sur la gueule. Et forcément, tu vois, c'est easy. Autant la PS4, ils ont envie de vraiment de rogner sur des trucs pour que ça tourne bien. Vraiment. Autant sur PS5, ils s'en foutent, tu vois, même s'ils optimisent pas. 60 FPS, tout va bien. En optimisant, ça pourrait tourner à plus que ça, à mon avis. En vraiment optimisé, une fois qu'ils gèrent bien la console, ça tourne à 120 FPS. Quasi sûr. C'est du RT. Il n'y a pas de RTX sur console, c'est du RT. Je tiens. RTX, c'est Nvidia. Y'en a pas? Putain, pourtant, vraiment, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est lui le plus haut. Il suffit pas de foutre des reflets dans tous les sens pour faire un beau jeu. Hein. C'est le gros problème des modes graphiques sur les GTA. Les mecs, ils pensent que juste parce que tu mets des miroirs partout, c'est le jeu est beau. Pas du tout, en fait, ça nique les yeux. Je trouve pas ça beau, en fait, quand il y a des reflets partout dans les modes GTA. J'aime bien hein, quand c'est un peu plus posé, tu vois. Les mecs, ils mettent les ENB plein de balles. Ta gueule, c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil. Pas du tout pareil. Hein. Utiliser terme. Les messages se font ban en boucle. Ah bon? Non. D'accord. Bah non, mais c'est vrai. Les NB et compagnie. J'ai pas un qui aime hein, quand c'est clinquant. Moi j'aime pas en fait. Faut pas ça pluraliste en fait. Enfin, tout dépend ce qu'on veut. Quoi. On veut un jeu réaliste ou un jeu. Bling bling. Ah ça se trouve il est pas... Ah si je pense que si. Félicitations, vous avez terminé l'histoire principale mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais rejouer des missions déjà accomplies avec Rejouer à partir du menu Pause ou refaire des activités SDQ avec l'appli SDQ. Vous pouvez également modifier l'heure de la journée, ça c'est très bien du coup. Pour le mode photo, à partir du menu des options, vous pouvez recommencer en difficulté ultime pour plus de challenge ou commencer une nouvelle partie plus en gardant vos gadgets et vos compétences pour en débloquer encore plus. Bonne chance, héros! Ok, point de compétence, hein, total, machin. Maintenant, Vlapi, tu vas à la mission Idole des chats, essaye de faire un coup de grâce. Euh...
Le truc bande de viande. Ah ouais? Attends un petit peu. Ouais, j'attends. Ah, c'est pas moi, je sais. Ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais y aller comme ça. C'est ça, hein? Ah, c'est ça, hein? C'est portable. Emma, tu veux? Non, ça va. Je viens de quitter Trinity Church. Je pensais à Finn et... Je me disais... Vas-y, je t'écoute. Elle m'a sauvé la vie. Et la tienne aussi. Et celle de tout le monde. Mais c'est à cause d'elle qu'on a tous été mis en danger. Sauf que vu ce qui est arrivé à Rick... Le coup peut s'y faire. Tout le monde fait des erreurs. Ouais. Ok. Prêt pour une virée, Spider-Cha? Vous faites une belle équipe. Hein? Encore une nouvelle tenue? Ah oui, c'est vrai qu'on a plein de vignes. Ah putain! Allez, ah! Incroyable! Mais what? Mais putain de merde, mais. Pourquoi c'est le jour où j'ai pas la caméra? Putain, c'est trop belle cette peinture, j'ai pas vu. Mais putain! Il y en a dans 5. Ah, attends. Bon. Y a pas des mecs à tabasser. C'est le bâtard. Est-ce qu'il y aura des mecs à tabasser d'ailleurs? Ah bah tiens. Je vais faire une photo. Bah, on pourrait la prendre quand on veut en plus cette tenue, c'est incroyable. Ah, le jour où j'ai pas la cam, putain, ça casse les biens. Alors. Salut maman, c'est moi. On parlait de film. On va pas faire un coup de grave vu que j'ai pas assez de combos. Regarde ton oncle Aaron. Ils sont que nous quoi. C'est grâce à lui que Trigger moi est en prison. Et il nous a aidé à évacuer les habitants d'Arden. Chaque fois que je le vois, je repense sont à que toute deux, la peine qu'il a infligée à ton père. Ah ouais. Rien ne t'oblige à avoir une idée arrêtée sur la vie de Finn, Miro. Sur sa mort. Souviens-toi juste de qui il était vraiment et pourquoi tu l'appréciais. Tu sais toujours trouver les mots justes. C'est mon boulot de maman. N'hésite pas à me rappeler. Oh, c'est beaucoup trop bien! Mais c'est incroyable! Pas ça toi. Putain, mais c'est beaucoup trop bien! Ah, c'est un jeu qui a été fait pour moi, quoi, clairement. Le selfie marche? Ah ouais? C'est bon, ouais. Attends, attends. Merde. Non, pas cette fois. Comme l'autre tenue, quoi. J'arrive. J'aime bien, c'est qu'il arrête le chat à chaque fois. Ouais, super. Meilleur que j'ai. Regarde, l'écran de chargement est incroyable! Effectivement. Wouah, je suis crevé. Non, mais vraiment. Eh, vraiment. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça épicier, putain, c'est beaucoup trop bien. Je pensais juste qu'il y avait juste un chat comme ça dans certaines missions, tu vois. C'est beaucoup trop bien. Le point de compétence. On le voit même là quoi. Je vais laisser les filles au sol, attends. Faut que ce soit les cons de la chaîne. J'aime bien parce que... il s'incline pareil, c'est ouf. Ah putain, cette classe incroyable. Incroyable. Non, c'est trop bien. Beaucoup trop bien.
Vraiment. Et du coup, on a 99% du jeu. Mais ça veut dire que si je fais ça, c'est fini. C'est ça ? Ah putain, c'est trop bien. Du coup, on le voit pas là. Non, on le voit. Ok. Ah si, quand même. Trop stylé. Je sais pas du coup. Je sais pas. Ouais, 89%. C'est dommage, je pense. C'est beaucoup trop bien. Bon bah, let's go. J'ai du 100%. Double sac à dos. Du coup, j'essaie le chat en haut. Faut vraiment que je dorme. Une petite sieste. Merde. Exactement, moi, quand je fais une sieste, c'est ça. Part de maman. Merci. C'est un indice pour une chasse au trésor. Merci. Maman sait faire. Elle en a créé une nouvelle. Le poids du monde sur nos épaules, nous garderons le prochain indice. Ah ah. Pas de sens. J'ai envie de tester un truc. Faut que j'aille voir ça. Et quoi? Qu'est-ce que maman a inventé? Ah oui, bah non, du coup non. Putain, il y a encore plein de trucs à récupérer. Alors je sais pas, putain. Je devrais sortir faire un petit tour au muséum d'histoire naturelle. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ils sont faits. On va les récupérer ou on arrête ici? C'est le retour du chat. C'est une éternité que je suis pas allé au muséum. La dernière fois, c'était avec Finn et papa. On adorait faire ça. Ça me paraît bien aussi. Continue, c'est court. Ah, faudrait se vous mettre d'accord, les gars. Ça, vraiment, j'adore cette commu. Ouais, arrête, non, continue. Ouais. Oui, il a pas un pile ou face sur ce stream. Super nouvelle. Les labos expérimentaux de Roxxon à Manhattan sont HS. Et leur réacteur aussi. Enfin. Plus de labos, plus de trigger. Non, c'est pas les énigmes. T'as vu, ils sont marqués sur la map. Oh, ça va, hein. T'as vu, fini pour toi, les compagnies. Non, j'avoue, Mist, tu vois, je suis toujours bloqué. J'ai fait les professeurs Letton. Je te comprends, mon pote. Mais je suis content qu'on ait pu faire ça ensemble. Moi aussi. À bientôt pour de prochaines aventures. Dans à peu près 5 minutes, c'est ça? Ça marche. Je sais pas où. Juste au moins aller voir ce que c'est, tu vois. Rallongé de ouf. Okay.
Le Muséum d'Histoire Naturelle. L'indice de la carte postale dit « En face du parc, le poids du monde sur nos épaules, nous gardons le prochain indice. » Hop. Il y a une autre carte là-dessous. Ils sont en train de se lécher les pattes. Au calme. Celle-là, elle monte l'Empire State Building. Au sommet de l'Empire State, tu trouveras une paire d'yeux aveugles. Même penser à mettre ça dans un petit sachet. Il y a aussi une clé USB. Salut mon grand. USB. Bon anniversaire. Oh mon dieu. Papa. Une chasse au trésor. Chasse au trésor, ouais. Oh, c'est pas mal pour souffler tes 16 bougies. Une virée nostalgique. Tu te rappelles cet été où Finn et toi vous m'avez forcé à vous emmener au musée tous les week-ends? Un petit secret. J'adorais ça. À une époque, je me sentais coupable que t'aies pas de frères et sœurs. Ton oncle et moi, on est fâchés maintenant. Mais sans lui, je n'aurais jamais fêté mes 18 ans. À chaque fois que je te voyais avec Finn, je me sentais moins coupable. Parce que t'as une sœur. Avec Finn et Gangi aujourd'hui, tu auras toujours une famille sur tout le monde. Je t'aime fort. Du coup, non. Rendez-vous au prochain indice. Malheureusement, non. Ça fait tellement longtemps que j'ai entendu sa voix. J'espère qu'il a laissé d'autres messages pour la chasse au trésor. Allô, la marmotte. Tu as trouvé ma note? Ouais. La marmotte. J'ai suivi l'indice et j'ai entendu la voix de papa. C'est toi qui as fait ça? Juste la mise en place. Ton père a écrit les indices l'an passé. Je sais que tu en baves depuis le déménagement et j'ai pensé que ça t'aiderait de l'entendre. Gracias, ma. De nada. Amusez-vous bien. Et n'oublie pas, je suis là si tu as besoin de moi, Miles. Tu sais que tu peux tout me dire. Te quiero. Te quiero. Bon, j'espère que c'est un endroit accessible, sinon je vois pas comment il l'a placé là. Miles, il y a un hélico qui fait des figures bizarres pas loin de toi. L'année prochaine, l'Empire State Building. Sage. Voyons l'indice. Vraiment au sommet du sommet du... Non mais... Tu trouveras une paire d'yeux aveugles. Attends, je vais quand même aller tout au sommet pour voir, mais je pense que non. C'est pas possible. Merde, arrête! Ouais, non, forcément. C'est ce que je pensais. Ça reste réaliste. Hop. Aïe. Alors, une paire d'yeux aveugles, c'est-à-dire qu'une paire de jumelles qui ne fonctionne pas, donc ça tient. Le musée d'art moderne de Greenwich. Je me souviens de cet endroit. Trouve le fossile caché dans le caché dans le monde moderne. N'oublie pas de lever le nez. Okay. Fossile caché. Très bien, très bien. Bonsoir, c'est ça. L'Empire State. J'étais accompagnateur. N'accepte jamais de surveiller un bus rempli de gamins de 10 ans. On a mis 3 heures à se rendre sur place et quand on est arrivé, qui en a vu? L'araignée en personne. Il se battait contre Vulture. À peine sorti de l'ascenseur, on a dû rebrousser chemin et évacuer. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tu voulais rester. Tu m'as dit, Spider-Man a besoin de nous, papa. Tu as toujours eu l'âme d'un héros, Max. Ne perds jamais ta combativité. Rendez-vous au prochain indice. Oui, ça faisait à peu près le temps de trajet. Les messages audio, même. D'art moderne. Trouve le fossile caché dans le... On dirait bien que je dois aller assez haut débit. Mais je comprends. Hein. Je comprends. Normal. Voilà. Là où l'argent est roi, perché dans les lumières, laisse la musique t'entraîner. Un peu plus compliqué ça. On a pratiquement dû vous traîner au musée d'art moderne, fille. L'argent... Bon, je vais pas retraverser la ville. Hein. Attends, c'est quoi ce bordel?
Petite tricherie. Du coup, ça coupe les messages, je chie. Désolé. Et donc, tu disais que tu bossais sur quelque chose d'autre? Je peux t'aider? Je dois trouver du boulot. C'était cool d'être freelance pour le Bugle, mais faut quelque chose de plus stable. T'as pensé à faire prof? Je pense que tu serais bien. Ouais. Non. Non, j'avais pas pensé à ça. Je vais y réfléchir. On se rappelle. Non. Non, ça aussi, j'ai tout ça à faire. Hein. La poster, c'était avec elle déjà. Celle-là. Alors, écoutez le message, Buster. Ça va, on peut pas? Oui, c'est vraiment que ce soit là-dedans. Archive. Continuons. Putain! Qu'allons faire? Ok, c'est ODB. À nous deux. Perchés dans les lumières. Bien blotti sous Stuyvesant, se cache un mets monstrueux. Moi, ça, c'est presque non. On sait que ça va être plus hardcore que ça, mais non. Bonne partie de ma jeunesse au CODB avec toi. On va se dépasser jusqu'à... Aaron est même monté dessus une fois, et il s'en est pas trop mal sorti. Quand il a enfin décidé de me parler de son boulot de nuit, c'est ici qu'il m'a emmené, mieux faire passer. Et après ça, je ne voyais plus d'endroit de la même façon. C'est pour ça que je t'ai jamais emmené. Je regrette ça. Je suis sûr que j'ai hâte de respecter. Alors, voilà ce que je te propose. Trouve un concert qui te plaît. Ce que tu veux, c'est moi qui l'ai fait. On viendra ensemble et ton paternel te montrera comment enflammer le dance floor. Le prochain indice, tu prends les bras à Max. Papa voulait m'emmener voir un concert. Oh, je crois que je vais avoir besoin d'une minute pour m'emmener. VF de Miles, ça fait chier. Hein. Ça sert à de jouer un bon gros jeu de merde, comme ça, ça te changera les idées. On va en bomber face à un Fast tu vois. L'Underground a piraté un panneau publicitaire pour afficher leur logo. Tu devrais aller voir. Cet endroit, l'immeuble Art Space dans l'Upper East Side. Aucune lettre ne peut entrer dans ce château artistique sans s'arrêter à cette porte. Oh, shit. Ça paye bien. Le bar. Oh, ce resto, c'est ma deuxième maison. Ça me rappelle la cuisine de ta grand-mère du sud. Là, j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous et c'est devenu une tradition. Même quand elle était enceinte de toi, elle a commencé à avoir des contractions au moment du dessert. Je pense que c'est à cause des crevettes, Taja. Elle était moins fan après ça. Mais je vais pas te mentir, Fiston. Certaines nuits, plus tard, eh oui, je m'arrête pour prendre une petite assiette de bonbons aux fruits. Maman était au courant qu'il fréquentait cet endroit. Ce sera son petit secret. Bonne équipe. J'ai envie de leur couper les sifflets comme ça. Alors,
voilà l'Art Space. Ok. Aucune lettre ne peut. Okay. Lundi suivant, CJ Walker Park. Je connais cet endroit, oui. C'est Harlem. Sous le panier où tu as appris à voler, ton périple prendra fin. Ça fait beaucoup de clés USB quand même. Oh, pour des petits messages. J'ai hâte que ça se termine. La remise des diplômes du collège. Vous avez rigolé, Phil et toi, en voyant l'immeuble Art Space en disant que ça ressemblait à un couronnement. On était tellement fiers, ta mère et moi. Notre fils et celle qu'on considérait comme notre fille allaient recevoir leur diplôme et c'était les meilleurs de leur classe. Je sais que c'était triste d'aller dans des écoles différentes, mais laisse-moi te dire une chose, Max. Les amitiés de jeunesse, c'est vrai, elles durent. Vous vous reverrez, Phil et toi, dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Non, il ne reste plus qu'un indice. Je parie que tu as hâte d'arriver au bout. On a repris contact, Finn et moi. Mais pas de la manière que papa aurait imaginé. C'est bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour une bande d'armes, celle-là a l'air carrément louche. Salut à tous. Ça a été une excellente semaine pour Harlem. Spider-Man a arrêté le tireur, Rio Morales a été élu au conseil municipal, Roxanne Plaza est fermé pour de bon, et Simon Krieger est derrière les barreaux. Boum! Ah! Cerise sur le gâteau, j'ai passé mon test de citoyenneté haut la main! Chim, je t'aime toujours, tes bonbons vont manquer. Mais revenons à nos moutons. Pour faire bonne figure, la direction de Roxanne a divulgué les documents personnels de Krieger, notes, emails, la totale. Pendant que j'épluche ces documents et que j'attends que Triple J présente ses excuses à l'antenne, je diffuserai des émissions préenregistrées inédites. On se retrouve en direct dans quelques semaines et en attendant, parlez à vos plantes quand vous les arrosez. Sérieux, elles adorent ça. Allez, à plus. Wow, ça fait remonter tellement de souvenirs. Et voilà la dernière étape. CJ Walker Park. Tu te rappelles quand on venait jouer ici pendant l'été? Ton oncle t'a montré comment te frayer un chemin jusqu'au panier et moi, je t'ai appris à dribbler croisé comme un chef. Et comment oublier le jour où Phil et toi avaient essayé de placer un dunk contre ta mère? Cet endroit me rappelle que quoi qu'il arrive dans la vie, la seule chose qui compte, c'est les gens que tu aimes. Toi, ta mère, Finn, Ganky, même ton oncle. Garde tes proches autour de toi et tout se passera bien. Joyeux anniversaire, mon grand. C'est de toi que vient tout mon courage. Oh. J'étais pas prêt à entendre ça. Ouais, c'est beau. Rien qu'à le dire. Ça va? Ouais, maman. Je viens juste de finir la chasse au trésor. Merci beaucoup d'avoir mis tout ça en place. Pendant un moment, j'ai eu l'impression qu'il était revenu. Il ne nous a jamais quittés, Miro. Je t'aime. Je t'aime, maman. Ok, ok. Prêt? On va voir si t'as dans le fond. Oh. Attention, maman, attention. Ouais. Ce quartier est super. On remet des fois en avance. Alors, dommage que les ombres buguaient. Les gens popés, il a un bug de suite. Mais bon, voilà, c'est mieux. Bah voilà. La ville n'aurait pas pu rétablir le trafic sans le nouveau Spider-Man. 100%. 100%. Alors quand même. Il est temps. Mais où bordel? Mais putain. Ah putain, c'est quoi ça? Ah, nouvelle partie plus, ok. C'est une blague C'est con quoi. Ah, quand même. Je pense qu'il faut l'activer. C'est un mode ou... Voilà.
C'est bizarre, hein. C'est vrai que c'est bizarre. Génial. L'Underground et Roxanne s'affrontent en pleine rue. Il y a quand même des gens qui ont dit ouais, Spider-Man, ça rame sur PS5. Hein. Trop bizarre le contraste. Trop bizarre. Limite, ça me rappelle du coup Spider-Man sur PlayStation vu que ça ramait du cul. C'est un 100% quoi. 100%. Incroyable. Mais du coup, bon, il reste encore plein de trucs à faire. Donc on fera. Je suis vraiment dans mon coin. Vas-y, tellement vite la banette. Ah oui, bon, il reste encore plein de trucs à faire. Ouais. Ah oui, putain. C'est bloqué tous les quoi. Ouais, bah de toute façon, il y a beaucoup qui vont tomber en nouvelle partie plus. Hein. Ah, intéressant. Quoi. Le combo, je suis tenté de pas faire la technique. C'est tout ce qui me reste? Ah non, d'accord, c'est un truc. Vas-y, un suspendu. Un mural. Oh, ok. On peut relancer Rhino? On peut relancer des menus, enfin des missions de la. Ah, je crois que oui, parce qu'ils l'ont dit. Oui, on peut. Avec un mode lentille. Hein. C'était pas compliqué ça comme bon. Ça me paraît bah tiens. Pas de mieux. Et ben on laisse péta. Bon je pense qu'on reverra plus Spider-Man du coup. Sauf si il sort du contenu. Parce qu'après il nous reste que des trophées, c'est pas très intéressant à faire en live. Donc on a fait 100%. Ça me paraît bien. Ouais, je vais le platiner. C'est là. On va voir. Non. C'est bordel. C'est un film. Ok, oh putain, stylé. Stylé! Je me suis fait mourir. Bon. 2h30, ça veut dire. Incroyable pour cette reprise. Du coup demain Forza et MX. On va tester un truc quand même. Je vais tester un truc, ouais, c'est bon.
Bon. Ouais, demain Forza MX. Putain, on a fait combien d'épisodes? Une dizaine d'épisodes, je pense. Je pense. Il suffit. En fait, c'est faisable de faire les 100. Largement faisable. De faire les 100 comme ça. Au secours! Je veux abandonner. Voilà, merci. Merci de m'avoir suivi. Depuis le début de ce follow, c'est bien sympa. Il suffit fort agréable. Et c'est bien quand même. C'est le jeu de transition entre 2020 et 2021. C'est. Et tu m'as dit que t'étais arrivé. Ouais, en plus t'es arrivé, c'est vrai, c'est if. C'est incroyable ton anniversaire. Vous savez que je me pose en défenseur de incroyable. De l'intégrité et des faits. Je n'ai pas été tendre avec le nouveau Spider-Man. Jusqu'au bout, il vient nous casser. Lui, du pont Braithwaite. Et pour cause, ce mioche a fait tellement de bourdes que le Spider-Man original en serait devenu plus rouge que son costume. Le classique, hein, pas ce torchon qu'il porte en ce moment. Mais aujourd'hui, je dois bien reconnaître que toute la ville soutient ce gamin et l'a érigé au rang de véritable héros. Alors qu'une source d'énergie instable s'apprêtait à rayer Harlem de la carte, ah, ça fait chier, le la jeune connaître. Spider-Man se serait interposé et aurait sauvé des vies. Moi, c'est ce non, que la semaine dernière. Voudrait nous faire croire. La vérité, c'est que rien de tout ça ne serait arrivé. Fait un an de sub. S'il n'avait pas enfilé son costume ridicule pour aller faire le singe à travers toute la ville et commettre crime sur crime, lui, un héros. Un héros, oui. Allez, j'arrête. Ouvrez les lignes. Je vais entendre ceux qui sont d'accord avec moi. J'arrête. Je vous ai dit d'ouvrir les lignes. Ils sont déjà ouvertes. Ah, mais il y a un problème alors. Désolé, chers auditeurs, nous avons un souci technique. Sur ce, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, tout ça, tout ça, tout ça. Et désolé pour les problèmes techniques, hein. On a, je pense, réglé le problème. Donc demain, ça va bien se passer. Juste savoir pourquoi ce disque dur bug, mais bon. Je pense que. Finito, quoi. Du coup, sur ce. Encore merci. Prenez soin de vous. Passez une très bonne fin de soirée. Encore bonne année, évidemment. Maintenant que j'ai réglé tous mes problèmes, je suis enfin passé sur le Discord. Et. Voilà. Et. C'est vrai qu'on a des trucs qu'on a même pas parlé en plus ce soir. Tellement j'étais pris dans le jeu. Bref, merci les gars. Passez une bonne nuit. Prenez soin de vous. Encore une bonne année. Et à demain. Pour du bon vieux Forza Raison. Tchuss. Quelqu'un a signalé une opération de trafic d'armes dans le coin.